Oui, c'est CleanTech Pro. Alors déjà, je dis à nous allons faire une vidéo spéciale. Et ça fait que le spécial, c'est parce que je suis avec un fidèle abonné de CleanTech Pro. Et je dis à nous allons aller faire une maintenance, un service et remplacer tout ça, un système. Ok? Alors je dis à nous avec un spécial abonné, un spécial abonné. Ok, on salue que je me pose. Donc, depuis qu'il est abonné avec CleanTech Pro. Ça gagne quelques temps, quelques mois. Ça quelques temps. Ok, bon. Déjà, nous allons aller directement au niveau du centre balféa, de l'installation. Et pour quelle raison que vous avez changé le régulateur ça? Bon, la raison que vous avez changé le régulateur ça, c'est parce que, en général, le régulateur PWM, bah, beaucoup moins seulement que le régulateur MPPT. Ça fait un et deuxièmement, un système moins compatible avec le régulateur MPPT. Ce système qui nous parle de 400 watts. C'est vrai, il a marché au début, mais au fil du temps, c'est lui qui a fini par bouler. Good. Parce que il n'est pas vraiment converti assez, right? Mm-hmm. Et, bon. Et au niveau du rendement? Bon, rendement pas bon même. Ah ouais. Bon, déjà, et on va commencer. Je vais juste teach you seulement pour nous faire l'installation ensemble. Ok. Avant tout, le téléphone. Good. On va connecter le carrière. On va une petite là. Yeah. Ok. Et puis là, en général, on connaît le mettre au régulateur. C'est batterie pour mettre avant pour régulateur la qualité, tension, intensité. Le tension batterie, avant ça pour mettre le panneau. Mais il y en a de même pour le retirer. C'est le panneau pour retirer avant pour le avant ça pour retirer batterie. Good job. Retirer bonne négative. Ok. Ça qui est important lorsque on a une installation électrique, ok, toujours il y a tendance avec court circuit. Ok, pour éviter court circuit, ça qui est obligé de faire, c'est que au fenêtre de ça là, logiquement, on va le TPO. Pas un courant là-dedans? Non, parce que les tension. Si il y a courant, c'est lorsque les balles sont constipées, si il y a courant. Mais quand on va venir, il y a constipé. Mais actuellement là, actuellement là, il y a un différent de potentiel. Il y a un courant qui est disponible. Oui, ok. Donc, il y a un tension qui est disponible, mais le courant va venir lorsque le plugin apparaît sur lui. Ok. Ok? Mm-hmm. Puisque les 145 volts, les livrés, les tensions de sécurité. Logiquement, au papa et courant. En passant, pour identifier, ça qui est placé pour positif. C'est plus là. Plus là. Ok. Mettez dans toutes les pointures. Pour nous assurer que pas pas bien aussi. Alors, et au niveau de l'installation photovoltaïque, et dépendamment de qui système, il est toujours recommandé, alors moi toujours recommandé pour que nous utilisions le régulateur et MPPT, surtout si la tension panneau solaire est très élevée par rapport à la tension et, qui peut aller et sous batterie. Ok? Deuxièmement, qui est-ce que vous avez pour faire? Non, mais là maintenant nous faisons retirer ça. Logiquement, nous devons retirer ça qui allait lié au niveau de la batterie. Ok? Alors, au cas pourquoi déconnecter ça, mais nous dévisser ça qui est là avant. Pardon? Au cas qu'il y ait ça en attendant, nous devons dévisser ça. Ça? Yeah.
Amen. Yeah. Ça fait bien entrer pour les habiller, c'est bien. Oh, j'ai tout juste quand même. Ah, il détruit ça. Ok. Non, il a détruit, il a détruit la tenette. Là, il y a un support ça. Ok? Support ça, c'est des poils qui a fort vissé dans le mur. Ok? Logiquement, il faut que vous vissez là. Ok? Vous vissez le support yo, pour qu'il fixe dans le mur. Là. Logiquement, si vous mettez comme ça, il n'y a pas de support. Mm-hmm. Ok? Alors, mes supports, vous mettez sur eux. Et vous vissez les pour le régulateur. Là. Qu'il fixe au niveau du mur. Là. Ok? Non, vous avez besoin seulement 4. 4 ça va, hein? Ok, ça aussi vis ou elle vis ça. Of course, yeah. Il croit pourquoi? Oui. Alors ça c'est un régulateur et Power Mister MBPT 60A. Alors qui ont bel rendement au niveau de la chauffe voltaïque. Ok, 60A. Pour un système de 12 volts, on va voir que l'IM accepte une quantité plus large de 720 watts. Pour un système de 24 volts, la base système va accepter une puissance de 1440 watts. Alors. Et pour un système de 36 volts, une puissance de 2100 watts. Et finalement, pour un système de 48 volts, une puissance de 2200 watts. Good. Alors déjà, batterie j'arrête ça, oui. C'est batterie que je bats dans ces colliers à Kéo. Parce que je ne pas aimé. Après, une fois qu'on va être avec pas bon. Ok. Et la
Mais c'est mieux là, ça c'est pour ça, si je rappelle ta perdu, pour oublier. Bon, déjà, et... Non, bah les films n'apparaissent trop courtes.